clairement vrai. Hein. Il a peut-être eu l'impression d'en fait de bloquer la dynamique des autres en parlant. Mais c'est le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui pensent que c'est eux qui cassent les couilles et machin. Le problème, c'est que c'est pas forcément vrai. Et... De toute façon, s'il avait, enfin si si ça avait été un problème qu'il soit là, je lui aurais dit quoi. Ah ouais, c'est vraiment une safe zone de chez la safe zone ça. Je code avec le cul. La 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 la. Le tyran, c'est pas compliqué, suffit de le faire aller, aller avec le cul. Ta la 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 la. Respire, Baka. Ah mais... Kaz avait créé un très bon personnage pour un JDR. Et il le jouait très bien. Mais comme je te dis, hein, y a que lui qui pense que c'est un problème, hein, sa présence. Hein. 6, 2, 11. Transformer un musée en commissariat. Et comme je te dis, je vais lui parler samedi. De toute façon, c'est pas comme si le JDR allait commencer demain. Hein. Dans tous les cas, il commencera pas demain. Quoi. Bon là je sais pas quoi faire. Ah.
Et s'il y a vraiment quelque chose d'autre, vous inquiétez pas. Vous ne le saurez pas. Je le savais, tu le savais, on le savait tous. Et je suis en partie responsable, hein. En grosse partie, vu que c'était moi le MJ. Neuf, quinze, sept. Dans l'absolu, je vais pas dire que c'est la faute du JDR, c'est la faute de moi. J'ai pas su suffisamment l'intéresser. Ça me tuera pas de le reconnaître, hein. Peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, c'est sûr. Mais elle a pas eu l'expérience optimale qu'elle aurait pu avoir. Ce que je veux dire en fait. J'essaye pas de me flageller, hein. C'est pas mon truc et voilà, mais. Regardez-moi ces petits carrés. L'effet de lumière dégueulasse. Hello. My friend. Where are you? Come to me. My friend, I'm here to talk with you. Hello, darling, old friend. Here for you again. J'ai vu que Black était méga chaud. Tu le connais pas IRL, c'est un nouveau aussi dans les JDR. Mais Dwedwe, t'as joué avec lui, hein. Blackstar était participant du dernier JDR, mon Dwedwe.
Ouais, après en fait, j'avais déjà fait une tentative de JDR avec des. Avec des gens. Des gens sur internet. Il y avait eu Black Star une partie. C'est ça, c'était le type de style Nathan Drake. Ancien soldat, tout ça, tout ça. Après, Black est trop enthousiaste en général. C'est pour ça que la dernière fois, je lui avais dit, fais attention à pas trop être enthousiaste les... pour pas grand-chose, mais... Après, est-ce que c'est un habitué des... Ça ne ressemble pas du tout à Chris. Des JDR, c'est toujours compliqué, parce qu'en fait, les gens ont tendance à te dire oui, mais... Tu sais jamais vraiment, quoi. Du coup, non, Black, je ne connais pas IRL. Pourtant, il habite pas si loin de chez moi, hein, si j'ai compris. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, pas si loin, ça veut pas dire chez moi, quoi. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui disent « Oui, t'inquiète, je connais le JDR », et en fait, tu te rends compte, après la première séance, que finalement, ils auraient... Je viens de lui tirer au-dessus de la tête. Démocratiser un peu le JDR, c'est cool. Je suis d'accord, par contre, ouais, voilà. Ouais. Ça, j'aimerais bien, tu vois. Oh la vache. Après, soyons honnêtes, hein, je pense clairement pas que ça sera moi qui vais démocratiser le JDR. Hein. L'audience du Bacchanal Live n'est pas... En fait, je veux que le système soit simpliste. Enfin, la quête est très simple. Mais elle peut devenir très compliquée selon comment vous allez aussi recevoir. Oui, c'est ça, comment vous allez... Ça dépendra beaucoup de comment vous vous comportez en fait face à ce JDR en fait. Il s'arrête tellement pour me regarder monter, quoi. Hello, Tyrant, my old friend. I have come for you again.
Je suis en train de bouger des étagères comme un con. Je m'avance pour tout à l'heure, il puisse pas me damer le pion. Mais clairement, à un moment, je vais me prendre une pêche. Je l'aurais mérité. À force de me moquer. Retire ton chapeau! On retire son chapeau dans une bibliothèque, tyran! À ça! Francisco. J'aime comme t'es invisible 5 secondes après qu'il t'ait vu, quoi. C'est un peu vexant. Un peu. Je suis vexé. Hello, darkness, my old friend. I have come for you again. Après, on peut parler d'autre chose que le JDR, mais c'est toi qui envoie le signal. Le sujet. Ah non, mais. Là, tout de suite, en fait, je joue. Je fais une run tranquille de Resident Evil. Moi, je suis en mode tranquille hein, ce soir. Je reprends tranquillement les lives. J'étais encore malade hier, tu vois. I have come for you again. Et le silencieux, c'est bien pratique pour tuer ses ennemis. Bien plus que les grenades. Ça te faisait chier d'en parler. Non, en fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai peur de trop en dire, en fait. Après, je peux pas te dire si Kaz va venir ou pas, parce que pour l'instant, j'ai pas pu le voir. Et je veux pas le harceler sur Discord, parce que, bah... Voilà, je... Hey, y a quelqu'un ? Pas plus que vous ne me verrez vous harceler vous-même sur Discord, hein. Même si j'écris 2-3 messages sur mon Discord... Ah, j'arrive pas à bouger l'armoire. Qui est là? Non mais je vais lui parler. S'il a pas de vraie raison et que la seule raison c'est celle qu'il a donnée, je ne le... Je vais prévenir, c'est sûr. Moi le premier, je préfère avoir plus de gens. Et entre guillemets, je sais que la présence de Kazuo, ça peut golder un petit peu les choses, quoi. Désolé, j'ai pas compris. C'est toi qui as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide? Pourquoi? Il est juste derrière toi. Quoi? Oh mon Dieu. Après, sur le prochain... Sur GDR là, il pourrait jouer tout autre chose, hein. D'ailleurs, le connaissant, je pense qu'il jouerait tout autre chose. Quoi. Oh non, c'est pas vrai. Je crois pas qu'il ait envie de négocier. Il va falloir l'abattre.
Alors, comme je vous ai dit, je vous fais créer des héros. Donc, doutez-vous bien que je vais pas y aller tendrement avec vous. Je dis pas que vous allez rencontrer un dragon le premier jour, mais... On va peut-être vous attendre à devoir décapiter 2-3 personnes. Hé, hey. Hey, petite. Tu peux venir. C'est terminé. Tu es sûre? Oui, c'est promis. Tout va bien. C'est bon, tu m'as guéri. Bon, on a défoncé le stock de balles de mitrailleuse, mais ça valait le coup. I have come for you again. Et l'on combine. Ça fait plus de babales pour mon super flingue. Hello back, I'm my old friend. Toum, toum, toum. I have come for you again. Toum, 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 toum. Il suffirait que tu tires une balle pour que je puisse te faire le trou de balle et que tu meurs comme du caca. Ça bouge pas. Encore une fois. T'as réussi. Alors. Comment est ta maman? Elle travaille à Umbrella. Elle fabrique un nouveau médicament important. Umbrella? Cette grande société pharmaceutique? Ma maman travaille beaucoup. Je la vois pas souvent. Oh, avec un peu de chance, tu la reverras bientôt. Et où est ton papa? Il travaillait avec ma mère, mais... Il est parti. Oh. Après, tu vas éviter de tuer quelqu'un la deuxième soirée. Les morts, ce sera votre responsabilité, hein. Je veux dire, s'il y a des gens qui doivent mourir, ils mourront, hein. Il n'y aura pas de... C'est la première soirée ou... Moi, les deux parents sont... Je suis partie. Je n'ai plus que mon frère. Oh, je suis désolée. Pas de soucis. Et ça nous fait quelque chose en commun. C'est une bonne chose, non? Dans un JDR, de toute façon, il faut surtout éviter de se donner des limites. Si je décide que vous devez jouer tout de suite en mode sérieux et que il faut qu'il y en ait un qui perde un bras la première soirée, il perdra un bras. Hein. Bien. Allez. Là-bas. Cours pas, gamine. C'est fermé. Mince. Il nous faut la carte. Aide-moi. Et déjà, tu as pas fait de jet de dés pour les stats. Ok. D'abord, la carte d'accès.
Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré. Alors, je vais pas faire tout de suite. Ce type a dû venir de là. Je vais pas faire tout de suite des jets de dés pour les stats. Ce salaud est le chef de la police. Pas beau. Tu satures pas trop de Resident Evil du coup? Non, moi ça va. Resident Evil 2, c'est vraiment un de mes préférés. Pour pas dire le préféré. Je sature pas du tout. En fait, c'est j'ai eu plus ou moins une idée de ce que je vais faire après. C'est ce que tu as envie de remplir. Si tu as envie de me dire que tu viens d'un village elfe où tu as été martyrisé, tu peux me marquer ça. Si tu veux me dire que tu as été domestique, tu peux me marquer ça. Tu peux me marquer, je sais pas moi, que tu as été élevé dans la montagne. T'es pas mort, sérieux? Il a vécu un traumatisme, il s'est fait attaquer par un troupeau de rats-garous. C'est des rats géants qui mangent des cerveaux humains. Et dedans, il y avait des Ligers. Des Ligers, c'est des sortes de chiens mutants avec des grandes griffes. Enfin, le genre de truc que tu veux pas rencontrer le week-end, quoi.
En vrai, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est de créer ce que t'as envie de créer, en fait. Tu peux le faire policier, enfin policier, officier de la garde dans une grande ville. Si tu veux, je te laisse même choisir le nom de la grande ville. Hein. Bon, après, je t'avoue que Raccoon City, ça peut me faire sourire. Mais après, que ton héros, ça soit un ancien de la garde, c'est pas déconnant. Hein. J'ai plus d'armes, j'ai plus de vie. Mais il reste des démons, hein, Doué. Hein. Still remain some... Mon personnage s'appelle Dwork. Dwork. Mais tout le monde l'appellera Dwork. Si ça te fait kiffer, moi ça me convient, hein. Franchement. J'ai vu plus déconnant comme nom. Hein. C'est un bon début, il est con. Du coup, t'aurais dû l'appeler Douin. Douin le nain.
J'ai encore de la dignité. Nous aurons vite fait de t'en débarrasser, mon ami. Vite, vite fait. Vous aurez à cœur de vous en débarrasser, mon ami. Still remain the song Francisco. Long, mais faut réfléchir un peu. Faut réfléchir un peu, parce que clairement, si tu vas trop loin, je vais prendre un soutien-gorge. C'est pas con. C'est pour en faire une fronde, c'est ça? C'est pour l'infiltration. Ah, je connais. Ça, c'est quand il y a de l'eau qui coule par la fenêtre, non? Francisco. Non, non, mais foutez-vous du stuff OP, les gars. Par contre, évitez de vous surcharger, quoi. Non, parce que déjà ça je l'accepterai pas. Pourtant, en termes de MJ, je suis plutôt laxiste, hein. Je laisse en général faire ce qu'on veut et tout ça, mais... Pas non plus... Faut pas me prendre pour ce que je suis pas, hein. Là, il y a la pièce à deux cases. Là, il y a ça...
réussir à pas abuser. Ah ouais, après bon. En même temps, j'ai jamais dit que j'accepterais tout non plus, hein. J'ai juste dit, faites ce que vous voulez. Et après, on en parlera. Déjà, oublie toutes les plus 5, plus 12, plus 8. T'auras pas de plus, ça c'est clair. Pas en début d'aventure. Sérieusement. En même temps, c'est toi qui me demande, après tu me dis je suis pas gland. Moi je veux bien, mais à un moment...